Y a les doutes, la, y a la peine et la douleur. Puis y a l'amour, la, y a la force des couleurs. On va danser à ça. On va danser à ça. Non, ça parle de ma grossesse. Mais ça se voit quand même, hein. Faites pas comme si vous voyez pas. La vie est en moi pour que la peur s'évade. Ami, comprends-moi, amant, je te suis dans les couloirs de l'âge. Je me voyais pas annoncer ma grossesse sur les réseaux sociaux avec une photo de mon échographie. Et en même temps, je suis hyper pudique sur tout ce qui concerne ma vie privée. J'ai toujours été plus à l'aise à dire les choses en chanson. J'avais envie de mettre en valeur la femme, j'avais envie de mettre en valeur son pouvoir, sa féminité, sa puissance aussi. Bien que j'ai toujours été à défendre la femme, à défendre notre liberté, etc. C'est la première fois que je ressentais quelque chose de presque féministe, quoi. Pour moi, c'était une ode à la femme. Et c'est vrai que le côté très tableau, un peu divin même de la fin, où il y a toutes ses mains vers ce ventre, voilà, c'est la création. Et les remords, morts, on va laisser. Tant que nos corps peuvent encaisser. Boy, viens voir, mamie, mamie, tu veux tester. Mais distance, boy, en signe de respect. Il y a un peu plus d'un an, où Kemmler a écrit dans le texte Absolem. T'es encore jeune, bien sûr que tu vas être maman. Et quand j'avais écouté ce titre, déjà, c'était à ce moment précis que je suis tombée en larmes. Ce titre-là, c'est 10 minutes vraiment d'émotions intenses. Et puis quand j'arrive à cette phrase de Kemmler, j'ai toujours des frissons, mais effectivement, je me suis un peu effondrée en larmes la première fois que je l'ai écouté. C'est vrai qu'il y a un an, j'étais loin de ça, en fait, parce que j'avais encore beaucoup de peur, j'avais encore beaucoup de doutes. J'ai fait une grossesse extra-utérine après. Enfin, voilà, c'était pas quelque chose de très facile et évident. Et puis, c'est des choses dont je parlais pas, etc. Et puis un an après, je suis enceinte, et bien enceinte. Étrangement, j'étais rassurée d'avoir un garçon dans le ventre parce que j'avais beaucoup, en tant que femme et en tant que fille, j'avais beaucoup de peur à avoir une fille. C'est le monde extérieur, c'est des générations qui passent tellement vite et qui évoluent tellement vite et pas forcément dans le bon sens non plus. Et les situations dans lesquelles j'ai pu être à 18-19 ans, bah aujourd'hui elles le sont à 14-15 ans. Et forcément, ça fait flipper. Et puis je crois qu'aujourd'hui, le but de tous ces nouveaux petits bébés qui arrivent, c'est de former une espèce d'armée. C'est ce que des nouveaux soldats qui vont se battre contre ça. Y a les doutes, ah là là là, y a la peine et la douleur. Y a l'amour, ah là là là, y a la force des couleurs. On va danser à ça. Franchement, faut avouer, c'est quelque chose. Et encore, il paraît que je suis pas arrivée au pire, mais l'accouchement, c'est encore un autre dos. Mais déjà, d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter de manger du poisson, d'arrêter de manger de la charcuterie, du fromage, d'arrêter de vivre, c'est dur. Au début, c'est une cacahuète. Donc, tu as envie de te dire, vas-y, ça n'existe pas, laisse-moi boire mon verre de vin, quoi, tu vois. Ma bouteille. Tu te concentres que sur ce qui va arriver, même les kilos, tu es à plus de 10 kilos, tu n'as jamais vu ces chiffres-là sur la balance de ta vie. Mais au final, tu t'en fous pas. Mais bon, tu te dis, ça va. Et puis, visiblement, ça continue en plus après. La maternité, l'allaitement, les crevasses, les machins. Enfin, moi, j'entends parler de choses, effectivement, sans l'avoir vécu, qui arrivent quand même et qui font partie de la maternité. Les culottes, les jetables, les gens passent. Enfin, voilà, c'est quand même... Moi, j'ai appris ça, là, ces dernières semaines, quoi. Je savais pas que ça existait dans ma vie. Dans mon clip « Femme de couleur », à la fin, l'extrait de « Appelle-moi Shaim », eh ben, Aziz Baki, qui a fait la chorégraphie, à un moment donné, il faisait « Appelle-moi Shaim ». Plein feu sur les lettres de mon prénom, laisse te présenter mon son, par son vision, appelle-moi Shaim. Simone, Simone. Voilà.